fiscale 2021, quels enjeux pour la recherche scientifique, l'innovation et la technologie? C'est autour de ces thèmes que les acteurs de la recherche, les fiscalistes et les chefs d'entreprise ont échangé à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Initié par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation en collaboration avec le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, cette rencontre avait pour objectif de présenter aux acteurs de la recherche les dispositions fiscales, leurs enjeux ainsi que leur impact sur la recherche scientifique et l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Les économies des pays émergents sont des économies structurées essentiellement autour de la production et de la valorisation du savoir. Et pour produire du savoir, il faut investir. Donc le financement de la recherche et de l'innovation est une question centrale, dans un processus de développement. La fiscalité est l'un des leviers sur lesquels l'État peut s'appuyer pour soutenir la recherche et l'innovation. C'est dans cette dynamique que d'importantes dispositions ont été prises au niveau de la Direction générale des impôts. De façon concrète, ces mesures vont consister à des exonérations d'impôts sur les bénéfices pour les entreprises privées qui vont financer les chercheurs, les innovateurs. Elles pourront déduire pour le calcul de leurs résultats imposables, les dons et les libéralités qu'elles ont faites. Représentant le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Souleymane Konaté, directeur général de la Recherche et de l'Innovation, a salué la tenue de cette rencontre. Cette question de la compréhension de l'annexe fiscale qui vise tout simplement à apporter des avantages ou des avantages aux entreprises privées qui financent la recherche et le développement ou qui développent la recherche et le développement, cette question-là, elle est au cœur de la stratégie que nous développons actuellement. Nous avons d'ailleurs développé les semaines dernières un questionnaire en ligne qui va permettre de recueillir tous les besoins en matière de recherche et d'innovation. Les responsables du Fonds STI et du PASRES comptent initier d'autres rencontres visant à faciliter le travail des acteurs de la recherche sur le terrain.